De confession, de déclaration de victoire. Hier je déclarais, hier j'ai lu ces paroles de Dieu et je les relis encore dans la version Louis II, 1 Timothée, Hébreux chapitre 10 verset 23 nous dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Ça veut dire que ce que Dieu a dit qu'il allait faire, il va le faire. Il va le faire. Il est fidèle. Donc, comme il est fidèle et comme nous savons que ces différents sujets que nous avons apportés, il est fidèle pour honorer. Il est fidèle. Il va le faire. Mais la Bible dit, nous, on a une chose qu'on doit faire. Amen. Pour voir la fidélité de Dieu être pleinement manifestée. Elle est active pour la voir dans notre vie. Hébreux 10, 23 nous dit, retenons fermement la profession. Et la profession... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise plus pour parler de travail. Quand on dit, voilà ma profession, ça veut dire, je suis de profession enseignant, je suis de profession. Alors, mais sinon, le mot profession, ça veut dire confession. Amen. Ce que je professe, ce que je déclare, ce que j'annonce. Donc, quand tu dis, par exemple, je professe, voici ma profession, ça veut dire, c'est ce que tu annonces, c'est ce que tu déclares. Ces deux mots sont assez liés. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu dis, voici ma profession, je suis un diplomate, tu le confesses, c'est ton identité et ça prend et fait, ça monte tes actions. Alléluia. Amen. Mais ce qui est là, c'est la confession de notre espérance, la déclaration de ce que Dieu est aujourd'hui. Parce que lorsque nous déclarons, les choses arrivent. La Bible dit que Dieu fait tout par sa parole, et en ce moment la parole du Seigneur est sur tes lèvres, la parole de Dieu est sur ta bouche. Tu es positionné dans l'autorité spirituelle.
La puissance de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Tes professions, tes confessions ne sont pas vaines. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Alors le premier jour, voilà ce que nous avons, ce pourquoi nous avons prié et ce que nous voulons confesser, ce que nous voulons professer. Le premier jour, nous sommes approchés du Seigneur dans l'esprit vraiment de l'humilité, dans l'esprit de l'humilité, pour que Dieu crée en nous vraiment des cœurs humbles. Alléluia. Le lendemain, par parlant de la sainteté, on avait lu ceci dans le livre de Être Thessaloniciens 5, 23, il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Et j'avais fait sortir le fait que c'est Dieu qui nous sanctifie. Alléluia. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de rechercher la sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchons la paix et la sanctification. Donc, je dois aspirer à avoir la vie qui permet à Dieu de se manifester. Moi-même, je dois aspirer à ça. Tu dois aspirer à avoir une vie dédiée à Dieu. Tu dois aspirer à avoir une vie consacrée. Tu dois aspirer à avoir une vie pure. Tu dois aspirer à avoir une vie Kodesh, ça veut dire dédié, aspirer à avoir une vie, comment? Agios, amen, ça veut dire sans mélange, tu dois aspirer à avoir une vie, comment? Oséotès, alléluia, tu dois aspirer à avoir ces choses, une vie pure, tu dois aspirer, ça c'est ta recherche. Maintenant, le Saint-Esprit est celui qui te sanctifie, parce que tu aspires à cela, sa puissance arrive en toi, et puis t'amène à cette dimension-là. Et pour que cela se fasse, il faut confesser. Alléluia. Il faut confesser. Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Dieu n'a pas de problème pour nous donner ce que nous demandons. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, amen, c'est qu'il soit présent. Et quand il est là, toutes choses viennent avec lui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. C'est pourquoi, et le premier jour, nous avons dit, on avait lu ce passage, 1 Samuel chapitre 15, verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef d'Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux, je t'ai élevé. Maintenant, depuis que tu atteins une petite dimension là, de roi, ça t'est monté à la tête. Tu te prends trop, tu te considères trop. Je te parle, tu n'écoutes pas. Je te dis, va à gauche, tu fais ce qui te plaît. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et on a lu cela, j'ai dit, c'est une des premières causes de blocage. Même la sainteté, pour reconnaître ses torts, il faut être, c'est de l'humilité. Dieu dit, tu parles, tu ne fais pas bien les choses. Ah papa, je reconnais. C'est l'humilité qui attire à la repentance. L'orgueil attire aux explications et aux justifications. On dit, mais pourquoi tu commets l'impudicité? Non, parce que, non. Il faut t'humilier. Tu dis, papa, je reconnais. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Et sa sanctification, son Esprit Saint va entrer en toi. Il va te prendre. Il va t'amener à être ce que tu dois être. Alléluia. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais ces chaînes-là avec l'impudicité. Je dis, Dieu, je peux me concentrer pour laisser les autres péchés là. Mais l'impudicité, Seigneur, comment je vais faire? C'est difficile. Je suis venu humblement devant sa face. Je dis, sauve-moi. Quand je n'avais pas de vie de prière, j'ai reconnu humblement. J'ai dit, je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Ça s'appelle l'humilité de l'enfant. Et il y a une puissance qui vient en toi, qui te donne une vie de prière. Amen. Mais quand tu n'avais pas de vie de prière, tu étais petit à tes yeux dans ta vie de prière, Dieu t'a rendu grand dans la vie de prière. Maintenant que tu es arrivé, tu te définis, moi je suis un dangereux. Oh, vous les petits dans la prière, je vais vous apprendre comment on prie. C'est moi qui sais comment on prie. Tu es gonflé, tu es orgueilleux, tu ne sais pas que c'est la grâce qui t'a pris d'une vie qui ne savait même pas prier 10 minutes à quelqu'un qui sait prier 10 heures d'affilée. C'est une grâce, c'est une force qui ne vient pas de toi. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est pour ça, les orgueilleux qui peuvent enchaîner 4, 5 jours, 20 jours de jeûne d'affilée et qui sont fiers ne sont plus exaucés. Ils rentrent dans la présence de Dieu, mais Dieu ne les écoute pas, Dieu ne les entend pas, parce qu'ils sont devenus orgueilleux de leur spiritualité, orgueilleux de leur vie de prière, orgueilleux de leur vie de consécration. Les gens qui ont l'orgueil, ils regardent les autres comme étant des faibles. Ils oublient que c'est la grâce de Dieu qui les a pris de qui ne sait pas prier, à qui sait prier. Ils se jouent maintenant les coachs de prière des autres. Oh, je vais t'expliquer. Toi, tu es mon petit dans la foi. Je vais te montrer comment on chasse des démons. Quand vous êtes orgueilleux, quand tu ne sais pas chasser les démons, et que tu dis, papa, je ne sais pas le faire. C'est ce qu'on appelle l'humilité de l'enfant. Je ne sais pas, apprends-moi. L'esprit vient en toi. Et subitement, il t'accorde l'onction de chasser les démons. Mais malheureusement, quand des gens ont commencé à chasser 5-4 démons, ils deviennent une fierté spirituelle. Amène-moi ce cas. Je maîtrise la délivrance. C'est moi qui suis là. Je suis dangereux. Tu seras plus efficace. Tu vas prier pour des gens, ils vont se manifester. Les démons ne partiront pas. Parce que Dieu résiste
aux gens qui sont devenus orgueilleux. Et il fait grâce à ceux qui comprennent que tout ce qu'ils ont, c'est la grâce. Quand vous savez d'où vous venez par la grâce, vous n'avez pas de mépris pour les plus faibles. Vous avez du respect. Vous comprenez leur combat. Parce que vous-même, vous savez d'où vous venez. Vous savez que c'est par sa force toute puissante. Vous êtes sorti du mensonge. Vous êtes sorti de l'adultère. Vous êtes sorti de l'impudicité. C'est par sa grâce. Frère, si Dieu retire sa grâce, il n'y a aucun d'entre nous qui peut rester sain ici. Si Dieu retire sa grâce, tout ton être entier va t'attirer vers le mal. Si Dieu retire sa grâce, tu ne peux même pas prier, même ne serait-ce qu'une heure. Si Dieu retire sa grâce, même gêner jusqu'à midi, tu ne pourras pas. Même gêner jusqu'à 8 heures, la faim qui va t'attraper, tu vas comprendre. Donc ne te crois pas supérieur à quelqu'un. Alléluia. Tout est grâce. Et c'est par ça qu'on a commencé. Sa grâce. Nous voulons confesser que Dieu nous garde dans l'humilité. Que Dieu nous préserve. Il faut que jusqu'à la fin, jusqu'à l'année prochaine, que Dieu te garde dans l'humilité. Quel que soit le niveau que tu vas atteindre, que Dieu te garde dans l'humilité. Sois quelqu'un de profondément humble, qui reconnaît son besoin de Dieu, qui respecte tous les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit ce que Dieu t'a donné. Jamais ne te crois supérieur à qui que ce soit. Valorise les hommes les plus faibles. Quand même tu auras, Dieu t'a fait la grâce d'avoir des moyens. Alléluia. Tu comprends que c'est par grâce. Si les moyens que tu as, c'est parce que c'est la famille dans laquelle tu es qui t'a donné de naître à ce niveau, c'est une grâce. Et celui qui est né dans le qui n'est pas né avec la famille que tu as. Maintenant, ils sont orgueilleux. Mais c'est parce qu'ils sont orgueilleux de leur argent. Quand ils marchent dans la vie, ils ont la tête haute. Mais c'est parce que tu es né dans une famille riche. C'est parce que tu es né, tu as des parents. Et si tu n'étais pas né là-bas, quand tu étais au ciel, est-ce que tu as choisi ta naissance? Tu as choisi l'endroit. Donc qu'est-ce qui te rend supérieur à celui qui est né dans le quartier le plus pauvre? Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Non, c'est parce que les gens sont paresseux, ils ne sont pas paresseux. Qui t'a dit que toi, dans les mêmes conditions, tu aurais produit mieux? Qui t'a dit que toi, dans les mêmes conditions, tu aurais fait mieux? Qui te le dit? Oh, les gens ne comprennent pas, ils sont pas, ils comprennent pas, ils réfléchissent pas. Dans la vie, on ne comprend pas les gens. Mais toi qui t'es dit que si tu étais dans une famille, ton papa t'a même à l'école, on te frappait dans ton enfance, tu avais des difficultés pour manger, qui t'a dit que tu aurais produit le résultat que tu produis? Qui te l'a dit? Peut-être que tu aurais fait pire. Donc, aucun d'entre nous n'est grand que quelqu'un. Tout est grâce. Tout est grâce. Que l'humilité nous caractérise. Que l'humilité nous caractérise. Que l'humilité nous caractérise. Ne soyons jamais orgueilleux d'appartenir, d'être là. Non, moi je suis orgueilleux. Nous on est des vases d'honneur. On a les enfants dépassés sans nos goûts. Tout ça c'est de l'orgueil. Il faut enlever ça de votre tête. Il faut vous garder. Si Dieu m'a fait la grâce de participer à une église qui craint le Seigneur, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Peut-être que tu as eu la grâce d'écouter ce message très vite. Et ceux qui ont grandi dans un truc où les gens racontent n'importe quoi, où tu es né même dans une église où on raconte des fausses doctrines, comment tu fais pour t'en sortir? Si tout ce qu'on t'a dit depuis le début, c'est faut sacrifier ceci, faut sacrifier, tu es né dans une famille de sorciers, tout le monde est sorcier, comment tu aurais fait? Qui te dit que tu aurais connu Jésus comme tu l'as connu? Ça a été sa grâce. Ça a été sa grâce. Il dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai pris et je t'ai amené ici. Maintenant, depuis que tu es arrivé, tu as oublié. Tu ne te souviens plus d'où tu viens. Tu ne te souviens plus qu'un jour tu étais un pécheur, tu étais dans les bars en train de boire. Tu as oublié. Tu as oublié. Regarde comment j'étais lavé aujourd'hui. Attends, ici, là, ils étaient. Hein, j'ai vu des photos. On faisait des vidéos de ce que les gens étaient avant, ce qu'ils sont devenus. J'ai eu les larmes aux yeux de voir. Tu vois, le monsieur, il était là. Cheveux bizarres, les bouteilles devant lui. Puis aujourd'hui, le voilà en train de prier, prêcher, bien habillé, correct, propre. Sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Confessons cette espérance. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Yeah, yeah, yeah. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Je déclare ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'avais pas de valeur à mon Dieu. Sans valeur, pour toi, j'étais une perle. Ta grâce m'a trouvé, mon Dieu. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix.
C'est pourquoi je crie majesté. Les honneurs sont à toi, la puissance est à toi, mon Dieu. Majesté, majesté. Majesté, majesté. Majesté, majesté, oh majesté, 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 majesté. Tu vas professer, tu vas confesser que dans la suite tu marches dans l'humilité, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu vas confesser que tu vas dire, je n'oublierai jamais d'où je viens. Je suis attaché à ma source, je suis attaché à toi, Seigneur. L'humilité vis-à-vis de Dieu nous maintient attachés à Dieu. Nous fait que chaque jour quand nous nous levons, nous sentons que c'est la grâce qui a fait que nous nous sommes réveillés. Chaque jour quand nous marchons, nous sentons que c'est parce qu'il dans sa grâce, il a bien voulu nous accorder la santé que nous sommes là. Il y a des jours on a voulu se lever et la maladie nous a cloués dans notre lit. Si je me tiens debout, c'est ta grâce. Si je marche, c'est ta grâce. Si je parle, c'est ta grâce. Si je bouge, c'est ta grâce. Si je parle, c'est ta grâce. Si je prie, c'est ta grâce. Tout ce que j'ai, c'est ta grâce. Ce que je suis, c'est ta grâce. Tout ce que j'ai, c'est ta grâce. Tout ce que je dis, c'est ta grâce. Tout ce que j'ai obtenu, c'est ta grâce. Ma santé, mon Dieu, c'est ta grâce. Donne-moi de ne jamais l'oublier, papa. Quelles que soient les circonstances, je ne vais pas l'oublier. Quand tu me donneras les moyens, Seigneur, que je n'oublie jamais d'où tu m'as pris. Papa, je ne veux jamais oublier. Par ta grâce, tu m'as lavé. Par ta grâce, tu me conduis. Je ne veux jamais oublier. Papa, je ne veux jamais oublier. Si je me tiens aujourd'hui, papa, tout ce que j'ai, ce que je suis. Si j'ai une maison où dormir, qu'est-ce que j'ai de plus que ceux qui n'ont pas de toi, papa? Qu'est-ce que j'ai de plus que ceux qui n'ont pas de voiture? Qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai envoyé mon Dieu. J'ai eu un enfant, c'est ta grâce, papa. Si je me tiens là, c'est ta grâce, mon Dieu. Si je peux tenir mes enfants, c'est ta grâce. Beaucoup parmi nous n'arrivent pas, n'ont pas pu avoir des enfants. Si moi tu m'en as donné, je dis c'est ta grâce. Il y a certains qui sont couchés malades. Mais ce matin je me tiens debout pour te louer. Oh papa, cela c'est ta grâce. Mon Dieu, c'est ta grâce. C'est ta grâce. Que je ne l'oublie jamais. Je ne vais jamais oublier, papa. Je vis, je marche par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. J'ai toujours besoin de ta grâce, papa.
J'ai toujours besoin de ta grâce, mon Père. C'est ta grâce. Papa, ta grâce. C'est ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce. C'est ta grâce. Par ta grâce, tu me relèveras. C'est ta grâce. Par ta grâce, tu me positionneras. C'est ta grâce. Par ta grâce, tu me changeras. C'est ta grâce. Par ta grâce, tu vas changer les choses en moi. Par ta grâce, tu me donnes ton caractère. C'est ta grâce. Par ta grâce, tu me donnes ton cœur. C'est ta grâce. 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 Papa, c'est ta grâce. C'est ta grâce. Et je m'humilie devant toi. C'est ta grâce. Oh. Ah là là. C'est ta grâce. On a dit par ta grâce. Par ta grâce. Je vais régner en ce monde. Je vais influencer le monde. Par ta grâce. Je réussirai sur cette terre. J'atteindrai ma destinée. J'atteindrai ma destinée. Je réaliserai ce que tu as dit. Je ferai ta volonté. Oui, je déclare par ta grâce. Par ta grâce, mon foyer est béni. Par ta grâce, mes activités sont bénies. Par ta grâce, tu pourvois mes besoins. Par ta grâce, je ne suis plus dans le manque. Par ta grâce, j'irai au sommet. Par ta grâce, j'irai au sommet. Par ta grâce, j'obtiendrai toutes choses. Par ta grâce, tu honoreras ta parole. Par ta grâce, mon Dieu. Par ta grâce, mon Dieu. Par ta grâce, papa. Par ta grâce, papa. Par ta grâce, je réussirai. Par ta grâce, je me relèverai. Par ta grâce, je serai guéri. Par ta grâce, j'ai la santé. Par ta grâce, mes enfants ont la santé. Par ta grâce, ma maison est visitée. Par ta grâce, j'avance ma destinée. Par ta grâce, tout est accompli. Par ta grâce, je fais des exploits. Par ta grâce, je fais des exploits. Par ta grâce, je suis relevé. Par ta grâce, j'ai la victoire. Je confesse que je vis par la grâce. Je peux dire comme la porte pour je suis ce que je suis. Si j'ai réalisé les choses que j'ai réalisées, c'est par sa grâce. Non, non pas moi, mais sa grâce avec moi. C'est par sa grâce, c'est par sa grâce que je suis là. Et toujours par sa grâce, j'avancerai. Par ta grâce, j'avancerai. Par ta grâce, j'irai jusqu'au bout. Par ta grâce, je ne tomberai pas. Par ta grâce, je serai gardé. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce, j'ai la sagesse. J'ai la sagesse de faire ce que je dois faire. Par ta grâce, j'ai le discernement. Par ta grâce, j'ai le discernement. Par ta grâce, j'apprends toujours. Par ta grâce, j'apprends toujours. Par ta grâce, je suis qui je suis. Et par ta grâce, je ferai de grandes choses. Tu vas faire de grandes choses par ta servante, ton serviteur que je suis. Tu réaliseras de grandes choses, je le sais, par ta grâce. Rekatara braya, katare babraya. Rekatara braya, sorobara la katalabra. Shiriba katoro marabelebo. Par ta grâce, c'est par ta grâce,
c'est par ta grâce. Par ta grâce, tu m'amèneras au sommet. Par ta grâce, tu feras des exploits par moi. Par ta grâce, j'atteindrai ma destinée. Par ta grâce, par ta grâce, mon Dieu. Par ta grâce, par ta grâce, mon roi. Par ta grâce, ta grâce, Jésus. Par ta grâce, ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce, mon Dieu. Par ta grâce, oh, 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 oh. Par ta grâce. Ah, la grâce, frère, la grâce. Par la grâce, grâce. La grâce. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, j'ai fait tellement de choses. Et puis il dit, non, ce n'est pas moi, non pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi, non pas moi. Frère, quand tu parles avec des personnes et tu te rends compte que quelquefois il leur est même difficile, impossible d'avoir certaines émotions, certains sentiments. Et tu te dis même, pourquoi ils raisonnent comme ça? Pourquoi ils n'arrivent pas à changer? Et tu comprends que toi-même, la manière dont tu raisonnes, tu comprends, ça a été la grâce de Dieu. Que tu aurais pu ne pas avoir ça, c'était la grâce de Dieu. Nous n'oublions jamais. Nous n'oublions jamais. Parce que celui qui pense comme ça, il est petit à ses yeux. Il est petit à ses yeux. Il sait qu'il n'est pas fort. Et il sait que toute la force qu'il a reçue, toute la force, quand les gens le voient, on dit, mais tu prêches bien, tu parles bien. Il sait que non, ça là, c'est sa grâce qui m'a donné ça. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais sa grâce m'a donné l'intelligence. Sa grâce m'a donné la force. Sa grâce m'a mis dans les conditions pour développer ce potentiel. Sa grâce m'a fait rencontrer de bonnes personnes. Sa grâce a fait que j'ai rencontré des gens excellents. Sa grâce m'a conduit dans un bon endroit. Sa grâce m'a donné. Sa grâce m'a donné. Dernièrement, on était là pour montrer cet enfant, cette jeune fille-là, qui est née, qui n'avait pas de parti rectal. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas avoir ça? Et puis qu'est-ce qu'elle a? Elle est née, elle n'a pas d'anus. Alors même si toi-même, c'est dit que c'est là, quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois, tu vas chez les maladies, tu vois les cas de maladie, tu dis, ah, même avoir deux jambes, même là, c'est la grâce. Hein? Pas des gens qui sont nés comme ça, on dit l'enfant ne peut plus marcher. Donc, et tu sais toujours apprécier. Et celui qui vit et qui marche par la grâce, qui vit par humilité, le ciel est ouvert. Parce que Dieu sait qu'il ne va jamais s'attribuer quelque chose. Et qu'il sait qu'il aura du respect pour tous les hommes. Le jour où il verra quelqu'un en difficulté, il comprendra que Dieu lui a fait la grâce d'avoir les ressources pour qu'il puisse aider le plus faible. Dieu veut passer, tu vas comprendre que Dieu veut passer par toi. Parce que lui aussi, Dieu veut que sa grâce les visite. Peu importe la raison pour laquelle dans cette famille ils sont des handicaps, la raison pour laquelle depuis papa, maman, tout le monde, les femmes sont divorcées, dans la famille il y a la folie, il y a la maladie, peu importe, quelque chose s'est passé. Et toi tu n'as pas le même problème ou tu as eu la solution par sa grâce. Tu comprends dès cet instant que Dieu t'investit pour être un canal par lequel il va déverser sa grâce envers ces personnes aussi. Il va pouvoir montrer à ces hommes et à ces femmes qu'il les aime, qu'il les aime. Le psaume 115 dit ceci, le verset 14 dit, il a donné, la terre appartient à Dieu, les cieux appartiennent au ciel, et Dieu a donné la terre au fils de l'homme. Je vous ai dit, Dieu ne peut rien faire sur la terre parce qu'il a parlé, pas parce qu'il ne peut pas faire, il peut le faire, Dieu peut tout, c'est lui qui a tout créé. Mais quand il a fini de créer, il dit, je vous donne la terre. De ce fait, sa parole, c'est lui, il ne va pas faire autrement. Une fois, un homme de Dieu a dit, est-ce qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu? Et puis un homme de Dieu qui a répondu, oui. Ce qui est impossible, c'est de ne pas faire sa parole. Dieu a une limite. C'est de ne pas faire ce qu'il a dit. Quand il a dit, sa parole l'engage. Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a une chose dit, Dieu dit, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas déshonorer. Je ne peux pas faire le contraire de ce que j'ai dit. Quand j'ai dit, parce que je suis parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole. Donc, dénier sa parole, revenir en arrière sur sa parole, c'est se dénier lui-même. Ça veut dire que comme s'il n'existait pas. Alors, quand il a donné une chose aux humains, il le fait. Il ne va pas passer outre pour aider sur la terre jusqu'à ce que Dieu nous retire la terre. Parce qu'il a donné la terre aux humains pour une période. Il dit, vous allez gérer la terre
de temps à temps. Quand la fin des temps va arriver, je vous retire, je reprends le contrôle des choses. Mais d'ici là, pour guérir les malades, pour aider les autres, pour faire ça, je passerai par vous. Et les personnes qui auront l'humilité de comprendre qu'il les a choisis, Dieu t'a choisi. Tu as vécu ce que tu as vécu, tu as connu, tu connais ce que tu connais, afin de comprendre que c'est sa grâce qui va te faire sortir de là. Sa grâce va t'amener au sommet. Le jour où tu seras au sommet, le jour, et même avant d'arriver au sommet, souviens-toi qui t'a sorti de la dépression. Et souviens-toi de tous ceux qui vivent la dépression, qui ont besoin de la grâce. Le jour où tu seras consolé, souviens-toi des larmes que tu versais parce que tu n'étais pas marié. Et sois un instrument entre les mains de Dieu pour que d'autres personnes aient la consolation. Quand tu as été malade et tu as crié à sa grâce t'a accordé la santé. Quand tu as la santé, souviens-toi que tu ne la mérites pas et que c'est par grâce que tu as eu la santé. Et sois un canal entre les mains de Dieu pour que ceux qui n'ont pas la santé l'aient. Et de la compassion pour les plus faibles, parce que toi tu as souffert ce qu'ils ont souffert. Ou quelquefois tu n'as pas souffert cela, mais Dieu t'a donné la grâce d'avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, c'est une grâce. L'empathie, c'est quelqu'un qui sent la souffrance des gens, qui sent leur fardeau. C'est quelque chose, même quand vous ne l'avez pas, il faut la demander. Ça, je l'aborde dans l'ouvrage qui va venir sur la bonté. Il faut de l'empathie. La Bible dit quand Jésus voyait les gens dans la souffrance, il était ému de compassion. Il transportait leurs souffrances. Même des souffrances que lui n'avait jamais connues. C'est l'empathie qui est un des moteurs de cette vision. Aller vers les autres, parler de Dieu, prêcher la parole, guérir les malades, c'est pas l'empathie. Il y en a qui vont donner pour qu'on dise leur nom. Mais il y a des gens qui souffrent. C'est par sa grâce. Je sais que Dieu m'a donné un cœur comme ça. Par sa grâce. Par sa grâce. Par sa grâce. Les douleurs me font mal. La souffrance, la pauvreté, le manque de connaître Dieu me fait pleurer. Et c'est une douleur constante. Et j'ai compris que c'est une faveur. Parce que c'est un moteur. Parce que chaque fois que je regarde ces régions, je dis qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je pense à un pays où il y a la famine, où tu vois les enfants, il y a une image d'un enfant naître, et puis un vautour attendait pour le manger. Je dis, mais l'enfant que le vautour veut le manger. Parce qu'il est né dans une région où il n'y a pas d'eau. Et la famine a frappé. Je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai de plus que lui? Pourquoi moi je suis né en Côte d'Ivoire? Pourquoi je suis né? Et puis il y avait de l'eau, il y avait la forêt. Lui n'a pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est sa grâce. Alors comment je vais laisser des gens dans une telle misère? Et ça crée en quelque chose. Tu te rends compte aussi que tu n'as même pas les ressources. Mais le même Dieu qui t'a mis dans les conditions est capable de t'envoyer la ressource. Est capable de te donner les dons. Est capable de te donner la puissance. Mais il faut que tu sois un. Pour que l'humilité, c'est comme un réservoir où vous permettez à Dieu de déverser en vous tout ce qu'il a. Il n'a pas besoin que tu sois. C'est-à-dire que tu aies juste cette compassion-là. Et que tu sentes que oui, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour l'autre. Quand vous avez cette empathie, vous avez cette bonté, cette compassion des hommes, ça vous amène à vous déplacer. C'est pour ça qu'on est parti en Haïti. C'est pour ça qu'on est parti au Libéria. C'est pas pour avoir une affiche sur YouTube. C'est pour ça que je vous parle. C'est pour ça qu'on fait ces dons. C'est par amour. Et si vous êtes dans cette œuvre, si vous écoutez, il faut que vous soyez transporté par l'amour. Que vous compreniez que vous êtes là par la grâce. Ne vivez pas pour vous-même. Vos sujets là, n'essayez pas de dire non, moi mon mariage, mon foyer, oui, Dieu va te le donner. Sois humble. Mais le jour il va le faire. Il faut te dire, sa grâce a donné la paix à mon foyer. Sa grâce, mon mari était parti. Mais je suis venu j'ai fait les 72 heures. J'ai mis ça dans les unes. J'ai confessé. Il est revenu. Dieu a guéri mon foyer. Ça veut dire qu'il y a des gens sur la terre. Parce que la souffrance que j'avais dans ma chambre, je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Mon enfant était dans la drogue. Je suis venu, j'ai mis ça à l'aide de 72 heures. Et Dieu amène mon enfant. Aujourd'hui, vendredi, d'ici le soir, l'enfant va venir. Maman, je regrette. Maman, je vais pleurer. Papa, je pleure. Et puis, il va se ressaisir. Ces choses-là, tu vas les voir arriver. Et quand cela arrivera, fâche-toi pour Jésus. Et puis dis, je comprends ce qu'une mère, ce qu'un père, qu'un enfant qui est dans la souffrance traverse. Je le comprends. Je le comprends. Seigneur, ma vie, là, je vais prier pour les femmes, je vais prier pour les foyers, je vais partager avec eux la grâce. Et si tu te prêtes à ça, tu vas
vas t'utiliser. C'est pourquoi je dis dédiez votre vie à Dieu. C'est-à-dire, réfléchissez que si j'ai une grâce, c'est pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Si vous orientez votre vie comme ça, c'est ce qu'on appelle la sainteté Kodesh. Si vous orientez votre vie comme ça, c'est ce qu'on appelle Kodesh. C'est-à-dire, vous êtes dédié à Dieu. Vous êtes là même, tu peux écrire, tu peux témoigner, tu peux parler, tu peux aller voir ta soeur, tu peux la prendre en sujet de prière, même si tu ne sais pas ouvrir la bouche, mais tu peux la prendre en sujet de prière. Je vais prier pour lui, je vais prier. Votre vie n'est pas pour vous, votre vie est pour le roi. T'es avec moi, ma vie est pour le roi. Ma vie est pour toi. Toi. J'ai connu ce que j'ai connu, connu afin de manifester ta gloire. Tu m'as délivré de mes souffrances afin de révéler au travers de moi ta gloire. Tu m'as fait sortir du tombeau. Tu m'as fait sortir de la mort afin que je manifeste ta vie. Je manifeste la vie de Christ. Je manifeste la vie de Christ. Je suis un témoin. Je confesse et je déclare. Je suis un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu. Ma santé est un témoignage du Dieu vivant. Qu'il y a un Dieu qui guérit. Qu'il y a un Dieu qui maintient en bonne santé. Qu'il y a un Dieu avec lequel on marche. Et on fait des centaines d'années sans être malade. Je suis un témoignage. Je suis un témoignage de la communion avec Dieu. Le travail que Dieu m'a donné est un témoignage de ses miracles, de ses prodiges. Je suis un témoignage. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Je confesse, je professe. Alors maintenant, quels que soient les sujets que tu as mis et ceux que tu t'attends, tu vas te lever, tu vas confesser que tout ça, ce sont des témoignages pour Dieu. C'est-à-dire, tous les combats que vous vivez, Dieu attend que tu aies l'humilité pour qu'il soit la preuve. Tu as vu, non? Tu as un témoignage de ce que je fais ça. Va et parle de moi. Tu as un témoignage de ce que je guéris. Tu as un témoignage. Tu seras un témoignage. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. On a enlevé même ton utérus. Dieu a permis qu'on enlève. Et tu as pleuré. Tu dis, Seigneur, moi, je marche avec toi. Maintenant, on a enlevé l'utérus. Je ne veux plus avoir d'enfant. Dieu dit, c'est ce que je voulais. Voilà. Si tu avais un enfant normal, tu n'allais pas comprendre celles qui n'ont pas d'utérus. Maintenant que j'ai enlevé, tu seras le témoignage que je suis le fabricant de l'utérus. Donc, quand le docteur dit, et puis toi-même tu vas te dire, madame, on doit t'enlever cela, on doit t'enlever, si on ne t'enlève pas, et tu pries, tu sens que l'esprit te dit, laisse-la enlever. Tu dis, mais mon Dieu, si j'enlève, il dit, quand tu dis, si on enlève, tu n'auras plus d'enfant là. Tu es en train de dire que moi, Dieu, j'ai une limite. Donc, quand tu lis ta Bible que j'ai créé le corps là, tu ne crois pas que je puisse rétablir ça? Ah bon, si on a enlevé, tu peux remplacer? Tu dis, mais pourquoi tu as laissé cette maladie-là aller jusqu'à ce niveau? Il dit, calme-toi. Pourquoi tu m'as laissé aller jusqu'à ce niveau? Il dit, calme-toi, ma fille. Tu vas devenir un témoin tout de suite. Tu vas devenir un témoin. Tu seras un témoin que même jusqu'à 60 ans, Dieu peut te donner un enfant en bonne santé. Tu seras un témoin. Tu seras un témoin. C'est-à-dire, tu vas prendre ton cas et puis dire, voilà le cas modèle que ce que je peux faire. Tu seras un témoignage de la grâce de Dieu. Tu seras un témoignage de Dieu qui prend les gens dans la pauvreté la plus totale et qui les amène au sommet de la gloire, de la richesse. Tu seras un témoignage. Dieu est fatigué de voir les gens quand ils sont riches. On dit, mais comment, d'où tu ta richesse? Je viens de Harvard. Dans la vie, quand vous voulez réussir, il faut être des gens. Vous voyez les coachs qui parlent de richesse là? Ils ne donnent aucune gloire à Dieu. Ils sont là, dans la vie, il faut pouvoir te concentrer, te focaliser, écrire sur ton mur. Mon frère, c'est parce que même ton cerveau même peut réfléchir que tu dis, tu vas écrire sur ton mur. Il y a des gens, c'est-à-dire que, il y a des personnes, même réfléchir à ça, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire que, moi, c'est-à-dire que je viens, il y a des frères, je prends, je dis, tu vois la technique, fais ça. Il faut te concentrer. Confesse tous les jours que tu vas aller loin. Mais ils n'arrivent pas à confesser. Ils confessent un jour, le lendemain après, dit, je suis dans la détresse, pasteur. Tu dis, mais toi-même, tu es énervé. Tu comprends que même avoir la force de maintenir une idée là, c'est une grâce. Quand l'apôtre Paul dit, c'est pas par force, humilité, il dit, j'ai fait plus que tout le monde, j'ai construit beaucoup d'églises, j'ai écrit beaucoup. Il dit, mais c'est pas moi, c'est sa grâce qui a fait ça. Et vas honneur, vous qui m'écoutez, si vous gardez cette marque là d'humilité constamment en vous, le ciel n'aura aucune limite. Le ciel
n'aura aucune limite. Si tu comprends que ta vie est un témoignage, je t'ai dit de prophétiser sur quelqu'un qui va, dont on parle d'enlever le terrorisme, mais tu as perdu ton terrorisme. Il ne faut même pas t'inquiéter. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a un aveugle qu'on a rencontré de naissance. Les disciples disent, pourquoi il est aveugle? Jésus dit non. Il est aveugle depuis sa naissance pour glorifier Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut le prendre. Il dit, toi, tu as un témoignage que quand on est aveugle, on n'a pas les yeux. Moi, Dieu, je fabrique les yeux. Je vous regarde. Chacun d'entre vous a un témoignage. La souffrance que tu traverses, Dieu même attendait ça. Dieu même t'a fait arriver là. Il dit, ma fille, tu es fatiguée, non? Maintenant, regarde-moi. Seulement, je veux que vous compreniez que Dieu ne va pas te guérir, c'est même que tu sois guéri. Dieu va le faire pour que tu sois un témoignage de sa grâce. 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 Alors, tu vas prendre chacun des points que tu as présentés pendant ces 72 heures. Et tu vas confesser et tu vas déclarer que c'est un sujet de témoignage. Là où tu avais la souffrance, j'ai un sujet de témoignage. La manière dont tu vas te tourner ton travail, c'est un sujet de témoignage. Alors élève la voix et professe et confesse. Confesse les domaines qui seront les témoignages. Annonce, la Bible dit, nous professons avec fermeté nos espérances. Nos espoirs, nos espérances, nous les confessons avec fermeté. Brenda Sorobara la Kataraba Bradasla. Professe, professe la prospérité dans laquelle tu vas te conduire. Professe la victoire dans laquelle tu vas te conduire. Le Dieu va te prendre de quelqu'un qui dort dans la rue à quelqu'un qui bâtit des opérations immobilières. Professe que ta sortie de la difficulté sera un témoignage à la gloire de Dieu. Sera un témoignage à la gloire de Dieu. Un témoignage, tu es un témoin de Jésus. La preuve de sa grâce et de sa puissance. Et le jour où tu seras au sommet, tu ne seras pas orgueilleux. Tu témoigneras. Si j'ai bâti autant d'immeubles, si je suis sorti de la pauvreté, c'est pas moi, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui m'a donné l'intelligence. C'est lui qui m'a fait sa grâce. Je n'étais même pas capable. Je n'ai pas fait des études. Mes parents m'ont mis à l'école. Mais par sa grâce toute puissante, il m'a ouvert les portes. Il m'a permis d'apprendre. Il m'a formé. Rekatarababrada sorobaralaka. Shakatariandabrada sorobaralabe. Ribakatarababrada sorobaralaka. Shakatarababrada slariandabra. Ma santé est un témoignage du Dieu qui guérit. Ma vie spirituelle est un témoignage du Dieu des esprits. Ma vie de famille est un témoignage que tu es mon Père. Brenda sorobara la katarraba bradasla. Sorobara la sonda la babé. Katarraba bradasorobara la gloka. Brenda bradasorobara la bré. Rianda bradasorobara la bra. Rebabababababababa shendere de brus. Sakatarianda bradasorobara la ka. Sorobara la gloria da brada sere bara la be rakata la ba 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 shete de bros rai de sorobara la sorobara la cara bara la sorobara da bra rianda brada sere mara la conta ra ba bra roba ba 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 sere bara la sonda rakata rianda brada sorobara la bros re da brada sorobara la cara bara la sa professe déclare. Toi qui n'arrives pas à porter, confesse et professe. La Bible dit que la stérile se réjouisse, qu'elle pousse des cris de joie, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Confesse, professe, Dieu va le faire. Ta bouche sera un témoignage. Donc, tu seras un témoignage. Sois un témoin de la grâce de l'adoption. Sois un témoin de la grâce de la prospérité. Sois un témoin. Sois un témoin. Rebaba Katoro Baranaka. Rakatari Andabrada Soro Baralabe. Rianda brada soro bara la gunta, me catarianda brada soro bara la gunta, soro bara la gloria, anda brada sere bara la cara, raba brada soro bara la bre, rinda brada soro bara la bre, rai de gloria, anda brada soro bara la bro, ro bara catara brada soro bara la kek, rera brada soro bara la claria, anda brada soro bara la bra, raba brada soro bara la gloria, anda brada soro bara la bro. Ruba ba 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 ba
Rianda brada soro bara la gloria na brada soro bara la ca. Rakata rianda brada soro bara la ca. Ro brada brada soro bara la bre bara la soro bara la bre. Riba brada soro bara la gloria na brada soro bara la bro. Rumba kata la brada soro bara la gloria na bra. Brenda brada soro bara la gloria na brada sere bara la bro. Riba ba 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 shende le de bros. Raides gloria na brada soro bara la bre. Dunda bara kuta, dunda bara kuta, dunda bara kuta. Iriba kata rum, iriba kata lum. Urubra yara bara la soturi de brudus. Shabra yabra la la ria teri de brada soro bara la kunta. Brenda brada soro bara la claria na brada soro bara la ke. Shabra yabra la de, shabra yabra la de lura brada luri anda brada suta. Brenda cara la braida brada soro bara la brus. Shiri bara la tu. Brenda brada soro bara la gloria na brada soro bara la ke. Brenda brada soro bara la claria na brada soro bara la brada. Raide gloria na brada soro. Ruru ruru soro bara la claria na brada soro bara la gloria na brada. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. C'est certain. Yes. Tant que l'humilité est dans ta vie, tu montes. C'est certain. Si ta vie, tu n'arrives plus à monter, il y a un niveau que tu n'arrives pas à atteindre, c'est que l'orgueil s'est installé. C'est-à-dire, si tu es en train de chuter, c'est que l'orgueil est arrivé quelque part. Faux. S'il y a un... C'est-à-dire que tu progressais, puis un coup, ça s'arrête. Tu demandes à Dieu si c'est une épreuve, il te dit pas. C'est que quelque part, il y a une pensée dans ton cœur d'élévation qui s'est posée. Il faut garder ton cœur. Il faut garder ton cœur. Alléluia. Il faut toujours veiller sur toi. Il faut toujours veiller sur toi. Il faut toujours poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il y a une virgule d'orgueil qui vient s'installer, une poussière d'orgueil, n'oublie pas de me la montrer. Que je trouve grâce devant toi. Parce que l'orgueil est tellement subtil que lorsqu'il s'installe, on ne se rend même pas compte. Et elle s'installe. On pense que ce qu'on est en train de faire est de l'assurance. Quelquefois, on pense que ce qu'on est en train de faire, c'est de l'audace. Mais c'est pas souvent, c'est pas de l'audace. Souvent, c'est l'orgueil. Alléluia. Ton Dieu t'aide. Amen. Et tu vas connaître l'élévation. Amen. Tu vas aller au sommet. Amen. Tu vas toucher des dimensions que tu n'avais pas encore touchées. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je te déclare au sommet dans le nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu envers toi t'élève dans le nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu te fait monter au-dessus de tout ce qui t'avait mis en dessous. La puissance de Dieu t'élève au-dessus de tes faiblesses, Amen. Au-dessus des manquements, au-dessus Amen. De tes limites. Ton Dieu t'amène au sommet. Amen. 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 Et je veux professer dans le nom de Jésus, pour toute l'église des honneurs, pour le message de vie, que toute pensée d'orgueil est anéanti dans nos vies dans le nom de Jésus. Et anéanti dans nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que je prie, je me suis beaucoup repenti. Je vais me repentir. Je me suis repenti de l'orgueil. J'ai regardé. Je pensais moi-même à mes fils, les évangélistes. Et puis l'Esprit m'a montré, il dit, tu vois, il y a beaucoup d'orgueil dans les cœurs. Beaucoup. Ils sont là, il y a beaucoup d'orgueil. Ça passe par. Ils se parlent mal les uns les autres. Ils sont là, ils sont orgueilleux. Beaucoup d'orgueil. Que Dieu nous pardonne de l'orgueil. Amen. Dieu nous pardonne de l'orgueil. Que Dieu sanctifie sa maison. Que Dieu sanctifie sa maison. Et quand vous avez des exploits, à un moment donné, ça vous monte à la tête. Que Dieu nous sanctifie. Amen. Que Dieu nous sanctifie. Amen. Que Dieu nous sanctifie. Amen. Seigneur, et compassion. Hors de nos cœurs l'orgueil. Hors de nos cœurs les pensées de vanité. Hors de nos cœurs l'orgueil. Hors de nos cœurs. Parce que tu nous as utilisés. On a vu des villages entiers se tourner vers toi. On a vu tellement de choses. On a organisé tellement de choses. Ah Dieu, quand tu étais petit à nos pieds, quand on était petit à nos yeux, tu nous as amenés vers les nations. Tu nous as amenés. Nous, on n'avait même pas l'argent, mais tu nous as pris. Tu nous as envoyés jusqu'en Haïti, jusqu'en Centrafrique. Nous sommes partis au milieu de la guerre. On a prêché. Tout le monde est parti. Tout le monde est revenu. À cause de ta grâce. Mais tu as trouvé au milieu de nous l'orgueil. Et les sentiments d'orgueil. Dans mon cœur. Dans ceux des évangélistes, dans ceux des missionnaires, tu as trouvé la vanité et l'orgueil. La vanité et l'orgueil.
Et l'ennemi a profité de cet interdit pour agir, pour frapper, pour toucher. Mais nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Papa, je t'en supplie. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Ôte de nous les pensées d'orgueil. Je me confesse, je me répands devant toi. Oh Dieu, non seulement mon nom, mais au nom de tous ces fils et ces filles que tu m'as donnés. Papa, je demande pardon. Pardon, Seigneur Dieu. Pardonne-nous de la vanité. Pardonne-nous de la prétention. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, la prétention. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous ces sentiments malsains dans nos pensées. Pardonne-nous ces sentiments malsains qui font que deux personnes n'arrivent pas à se parler. C'est l'orgueil qui fait que les deux n'arrivent pas à se parler. C'est l'orgueil qui fait que des gens se disputent. C'est de l'orgueil. Parce que chacun veut montrer que c'est lui qui sait faire, c'est lui qui a raison. Pardonne-nous ces gens de pensée. Pardonne-nous la vanité. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. L'orgueil, pardonne-nous. Rends-nous humbles devant ta face. Rends-nous humbles devant ta face. Par ta grâce divine. Que Dieu sanctifie sa maison. Que Dieu sanctifie vos honneurs. Que Dieu nous sanctifie. Par sa parole, par son sang. Et que dans nos cœurs, pasteurs, les pasteurs, les pasteurs, les serviteurs, les bosses, que Dieu nous sanctifie. Qu'il enlève l'orgueil. J'avais dit, demandons encore la miséricorde de Dieu. Pour tous les leaders de grâce d'honneur, de messages de vie, pour tous ceux qui servent, pour tous les boss, demandons la miséricorde de Dieu. Demandons la miséricorde. Que Dieu nous pardonne notre orgueil. Les gens, tout le monde, toi-même même qui es dans la foule, que Dieu nous fasse grâce. Brenda Sorubara la Kenta Rababrosa. Shakatarianda Brada Seda. Brenda Brada Sorubara la Glorianda Brada Sunda. Reba Brada Sorubara la Clara. Rakatarianda Brada Sunda. Reba brada soro bara la clara, raba brada soro bara la kata, rakataria katara kataka, shabrada bara 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 la sata, brenda brada soro bara la braya, reba brada soro bara la braya, rekata raba brada soro bara la vre, rianda brada soro bara la ga, raide slu rianda brada soro bara la vra, re mama 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 shende bra, re brakata raba brada soro bara la vre. Rianda brada soru bara la brim bara la soru bara la bra. Raide seri bara la gloria anda braie. Brenda brada so marianda brada ye. Brikata rava brada slori anda brada seli. Chimbara la vuenda. Braya katenda. Ro braya katera. Sam braya kate braya tabra. Brianda brada slori anda ma sakata. Je le confesse. Je confesse mes fautes, je confesse celles de mes fils, de mes filles, à la fois je confesse, je me répands dans le nom de Jésus, je me répands dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le mal soit ôté du milieu, que ce qui est de vous sortir. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans la même dynamique, nous allons confesser. Confesser pour ôter et déclarer tout ce qui est interdit. Alors le deuxième jour de 72 heures, c'était à la sainteté, à la sanctification. On a dit que dans la sanctification, souvent il y a des choses qui sont au milieu, qui sont des interdits. Dieu les a enlevées. Mais il faut que tu en sois conscient afin de ne plus prendre, de ne plus consommer ces viandes sacrifiées aux idoles. L'Esprit du Seigneur, le deuxième jour de 72 heures, nous a montré, il a dit, comme il a dit à Josué, tant qu'il y aura l'interdit au milieu de vous, tant qu'il y aura l'interdit, vos ennemis vont vous vaincre. Et l'interdit, ça peut être le péché, l'interdit, ça peut être un objet, l'interdit, ça peut être quelque chose qui retient un démon. Et Dieu nous a montré. Et tout interdit est au-dessus du milieu de nous. Tout interdit est au-dessus du milieu de nous. Je le confesse, je le déclare dans le nom de Jésus. Les choses cachées, tu les vois et tu les ôtes. Seigneur, merci parce que dans ta grâce divine, dans chaque maison, dans chaque famille, les choses cachées qui nous ont combattues, qui ont été des portes d'accès à des démons, des portes d'accès à des esprits impurs, sont ôtées du milieu de nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, si pendant ces jours, il y a des choses que nous n'avons pas vues, nous croyons que dans ta grâce divine, tu nous les révèles et tu nous accordes la force de nous en débarrasser. Dans le nom de Jésus. Pendant que je proposais à l'esprit, il est en train de dire à des personnes d'échanger leur manière de s'habiller. Parce qu'il dit, ta manière de t'habiller, c'est ta manière du monde, du passé là. Tu dois changer ça. Là, il y a des habits qui sont des habits dédiés au diable. Parce que ça fait le culte de Satan. Ce sont des habits, les gens les ont conçus
dans le but d'exciter au péché de la chair. Tu ne dois pas les porter. Les gens les ont conçus, les gens, le gars il a dessiné son habit pour que celle qui la porte soit séduisante sexuellement. C'est-à-dire que le couturier là, c'est un habit dédié à des démons. Donc pourquoi quand tu vas porter ça, ça va devenir sur YouTube enceinte? Non, tu ne dois pas porter ce genre de choses. Tout interdit a été confessé et ôté dans le nom de Jésus. 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 Oui, tu ne seras pas l'interdit faire rentrer dans ta maison la débauche, la perversion. Parce que quelquefois, les gens ne savent pas qu'il y a des habits de débauche. Tu dois porter les habits. Maintenant, peut-être toi-même, tu ne rentres pas dans la débauche. Mais tes enfants, subitement, ta jeune fille, elle a un copain par-ci. Tu vois, des choses comme ça. Il ne faut pas laisser l'interdit dans ta maison. Il faut vivre sainement. Il faut vivre sainement. Et pendant qu'on a confessé ça, l'Esprit de Dieu est parti, il a mis le doigt. Et il va mettre le doigt et dire, ma fille, ce truc-là, je ne veux pas le voir dans ta maison. Tu m'appartiens, ta vie m'appartient. Ça, je ne veux pas. Tu dis, mais je connais des chrétiens, j'ai vu une prophétesse, t'as un pote. Tu dis, oui, ça, c'est une prophétesse. Tu ne sais pas ce que je lui ai dit, mais toi et moi, là, nous deux, on parle. Tu dis, non, je connais, mais l'autre dame, là, elle a fait ses pieds. La puissance de Dieu suit elle. Il dit, tu n'es pas elle. J'ai mon alliance avec toi. Toi et moi, on est ensemble. Là-dessus, quand c'est une affaire d'interdit, ne copiez pas quelqu'un. Amen. Vous devez savoir ce que Dieu vous dit à vous. Il y a des choses que certains peuvent faire que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que vous savez ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que je vois. Souvent des grands hommes de Dieu le font. Je dis, ah Dieu, ça c'est bien. Dieu me dit, oui, lui il peut le faire, mais pas toi. Et avant, il dit, pas toi. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Amen. Alléluia. Et il faut comprendre, il faut savoir. Et il y a quelque chose, Dieu dit, toi tu ne toucheras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Et puis toi tu feras cela. Ce genre de choses-là, quand tu t'y attaches, Dieu prend ça pour te garder. Et il prend ça pour t'amener. Je déclare dans le nom de Jésus, que ce qui doit être ôté soit ôté de ta vie, dans le nom de Jésus. Que toute forme d'impureté, tout ce qui est interdit pour toi, soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Tes yeux spirituels sont ouverts afin de voir, afin de déceler et d'arracher tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, n'oublie pas l'autorité que Dieu t'a donnée hier. Tu vas prendre encore autorité et tu vas dire, dans ma maison, dans mon travail, dans mes activités, je discerne ce qui n'est pas de Dieu et je les arrache dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, après la prière, Dieu va aller te montrer que quand il y a une entreprise, l'entreprise depuis là n'est pas en train d'avancer. Maintenant que tu t'es humilié, Dieu va te dire, viens, je vais te montrer ce qui t'a arraché de ta boîte. Il dit, lui là, il doit partir. Mais il doit partir, pourquoi papa? Il dit, il doit partir. Parce qu'il n'a pas du tout ton esprit. Ah bon? Tu crois que c'est lui qui fait tout, que tu as l'impression que c'est lui qui fait réussir. Quand Dieu va ouvrir tes yeux, il va te montrer comment il détourne tes marchés. Il va te montrer comment il te combat. C'est un interdit dans tes affaires. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va faire que vous, si vous allez sortir, vous allez voir comment vous allez pousser. Parce que la grâce de Dieu va venir dans votre vie. La grâce de Dieu va venir dans ta vie. On va te dire, ça, c'est pas de moi. Tu dis, mais Seigneur, comment? Et si tu n'es pas convaincu, dis, papa, ouvre mes yeux. Demande de voir ce que je dois voir. Demande de voir. Et dans la semaine qui va suivre, tu vas voir ce que tu dois voir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, au début, quand tu voulais faire la chose, Dieu t'avait mis en garde, mais tu n'as pas senti. Tu as plutôt obéi à ta logique, à ton intelligence, et tu as peut-être pris cette personne, tu as peut-être pris cette chose, et tu l'as mise à côté. Quand on parle d'interdit, quand Dieu va ouvrir vos yeux, il y a des amitiés, Dieu va te dire, celle-là, il faut t'éloigner. Tu dis, mais pourquoi? Tu dis, papa, je vais me soumettre. Mais est-ce que tu peux ouvrir mes yeux pour que je voie? Élie a prié pour, Élisée a prié pour son serviteur en disant, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voie. Et quand il a ouvert, il a vu ce qui était dans le monde invisible. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui te combat dans le secret, tout ce qui est à côté de toi combat ton entreprise, ton travail, ta santé, ta vie spirituelle, tout ce qui combat ta vie spirituelle, tous les sujets que tu as mis ici, tout ce qui combat, dis avec moi, je les vois, je les discerne, mes yeux s'ouvrent et je vois ce que je dois voir. Merci Seigneur de ce que tu as ouvert mes yeux. Mes yeux sont ouverts dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Maintenant, déclare dans le nom de Jésus que tu arraches ce qui doit être arraché. Reçois de Dieu la force pour arracher ce qui doit être arraché.
Brinda soro baralaka taraba brada soro barala gloria nda brada soro baralaka sharabara la soro barala gloria nda brada soro baralakla raide gloria nda brada braide soro barala gloria nda brada soro baralaka taraba brada Brinda soro baralaka taraba brada soro baralaka nda la brada sla. Confesse que tout ce qui te combat dans les secrets, tout interdit est arraché de ta maison, est arraché de ta santé, est arraché de ton corps, est arraché de ta vie spirituelle, les habitudes, les semences de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a semé. Nous sommes dans un temps de moisson, nous sommes dans un temps de preuve, nous sommes dans un temps de victoire. Ce qui nous combat est arraché. Tu le dis, Saint, dans le nom de Jésus. Braïde sorobara la gloria da brada sorobara la cantara babra. Sharabara la sorobara la gloria da brada sorobara la gloria da brada. Sherebara la sorobara la gloria da brada gloria da brada. Raïde gloria da brada sorobara la cantara babra da gloria da brada. Tu m'as loin de ton esprit. Ma équipe est de ma part. Prie. Tu m'as donné ton onction. Fais de moi ton soldat. Fais de moi ton soldat. On reprend. Tu m'as oint, Jésus. Tu m'as oint de ton esprit. Ma équipe est de ta force. Ma équipe. Tu m'as donné ton onction. Tu m'as donné ton onction. Et tu as fait de moi ton soldat. Jésus, fais de moi ton soldat. Loin de ton esprit, remplis de ta force. Les portes restent. Loin de ton esprit, remplis de ta force. Je remplis les territoires. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je remplis les forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Je conquiers les territoires. Je conquiers des territoires. Je prends des territoires. Ce que Dieu m'a donné, je conquiers. Je conquiers des territoires. Je suis loin de toi pour conquérir, pour posséder ce que tu m'as donné. Je conquiers des territoires. Je prends ce que mon père m'a donné. Je possède la terre promise. Je conquiers des territoires. Je prends ce que papa m'a donné. Je prends le territoire. Je conquiers des territoires. Le territoire de la santé, le territoire professionnel, le territoire de ma destinée, le territoire au nom de Jésus. Je conquiers, je prends le territoire, je prends le territoire. C'est pourquoi les forteresses qui sont là sont brisées. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi. Brisé. Les maladies, brisé, les œuvres de l'enfer. Oh, yabakatara, bakatoro, parase, katara, brisé. Tout obstacle est brisé. Brisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Arraché. Arraché, maladie, arraché, tous les démons, arraché, tout ce que Satan a semé est arraché. Arraché. Recatara babra da sorobara. Ricatara baba bache katari andabra. Arraché. 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 Rarrache.
semences du diable, les semences de la peur, les œuvres de l'enfer, les œuvres des démons, dans le nom de Jésus-Christ. Toute oppression, toute possession, toute œuvre de l'enfer, arrachez au nom de Jésus. Arrachez au nom de Jésus. Jébraï, arrachez au nom de Jésus. 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 Arrachez, 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 Rebrayaka, Jobrayakota, Rebrayato, Rebrayato, Surubra la Soka, Sharabrayaketa, Rebraya Brosla, Surubraya Breda, Librayosa. Maintenant arrache, 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 arrache. Tout ce que ton père n'a pas planté, toute semence de l'ennemi est arrachée. Déclare, confesse. Arraché, 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 maintenant, tu vas brûler tout ce que Satan a posé dans ta vie. Je parle de maladie, je parle de l'esprit de pauvreté, je parle de la mentalité de l'échec, je parle de toutes ces fatalités. Tu vas les brûler avec le feu, brûler, brûler, par le feu de Dieu. Je détruis tes œuvres, Satan. Paralyse ton pouvoir. Je t'attarriba yoka. Ora bakreta leta. Ishakate yamabra. Ora braya kabera. Asabari katara. Je brayota mama. Je braya katara. Irebaro kataya. Ishabraye katara. Urumare katara. Irebra katara. Je braya brakata. Je braya bralari. Robraya katari. Jobraya bragadru, Jobraya bragadru, Rabraya katari, Brise, 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 Jobraya broda, Jobraya saka, Jobraya baraba, Sorobraya naloro, Briada kantare bros. Au nom de Jésus-Christ. Jobraya brada brada staria dabra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. A la baraka. Détruis la vie de l'enfer. Dans le nom de Jésus. Chasse le temps. Chassé, chassé. Maladie, tu es chassé. Esprit impur, tu es chassé. Je t'ordonne dans le nom de Jésus de t'éloigner des affaires de cet homme, de t'éloigner de sa vie. Esprit de maladie, esprit impur, je te condamne dans le nom de Jésus. À l'instant où je parle, tout démon, tout homme mystique est anéanti. Tu es brisé et tu t'en vas maintenant. Et tu t'en vas maintenant. Chasse la maladie, chasse la paralysie, chasse, chasse-la dans le nom de Jésus. Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur toi, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Chasse le diable de ta maison, de ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Que les yeux de l'enfer soient chassés. Rekatarababra, rekatarababra d'asso. Kerebara la sonda, kerebraya keta, kerebraya keta, chabrayo parayaka, kerebraya katara. Toutes formes de blocage, toutes formes de maladie, est posée dans le nom de Jésus-Christ. Rebraya katolo braya seta. Chebraya ketara brada sloria dabra. Cherebara la sorobara la claria dabra da sorobara. Au nom de Jésus. 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 Rekataya robra. Ala katoya labra. Rebra katara bra. Asama lombra yata. Ala brake tirade. Jabra yokitaro, sebra la brinale, arabra kota ribra, sebra lombriate, jabra loribraya, arabra ya kandara, asabra yorebrata, kushumbra ya katire, urubra ya katara, toutes choses interdites et anéanties. Nous les
chassons de l'église de Jésus. Tout ce qui est, toutes les ténèbres chassées de cette église. Tout interdit est enlevé et expulsé dans le nom de Jésus. L'esprit de maladie, l'esprit de mort, la maladie au milieu des pasteurs, la maladie au milieu des serviteurs, la maladie au milieu des boss. Dans le nom de Jésus, la maladie sur les serviteurs, la maladie sur les boss. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me dresse contre les esprits. Je déclare sur chaque pasteur, chaque leader, chaque serviteur, chaque membre de cette communauté, esprit de maladie, esprit impur, je vous ordonne dans le nom de Jésus de vous en aller, de vous en aller, de vous en aller. Tu n'as plus ta place ici. Rebra katarababra, rokataria makata, chebraya katarabra, sorobara la katarabra, esprit de maladie. Esprit de maladie, je prends chaque serviteur de Dieu, chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque leader, dans le nom de Jésus. Toutes les maladies qui fatiguent vos corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ, expulsez, chassez, 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 chassez. Je prends tout serviteur et tout boss. Abraïe, Olade. Serviteur et tout bon. Dans le nom de Jésus, je chasse les maladies. Dans le nom de Jésus, je chasse les esprits impurs. Dans le nom de Jésus, je chasse les diabètes, je chasse les maladies, je chasse, je détruis vos ébranéens, je les paralyse par la puissance de Dieu. Nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu de Dieu est embrasé, il s'embrase et il consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Le baba, solo braca pireza, le cadarra braillari, rabra yo cadarrabri, sobra ya cadarrabra, solo braya cadarri, sobra ya cadarrabri, charaba catuba, le braya braga slu, le braga solo para la cosa, le braya bidu, le braya cadarra. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, les démons sont vaincus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je barabé valente, roca braille bralende, je braillare bradote, era braille bradonde, la braille cate, choro braille, choro braille bra, parabarubra, choro braille bra, parabrayoka, yo braille bra, choro braille bra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, chassez, chassez, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Braya brada 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 solo para la claria da brada solo para la cla. Trae de gloria da brada solo para la claria da brada. Brada brada solo para la claria da brada. Trae de gloria da brada solo para la brada solo para la cla. Trae de gloria da brada solo para la claria da brada. Trae de gloria da brada solo para la cla. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, chassez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors je vais déclarer dans le nom de Jésus les choses qui cessent maintenant. L'onction de Dieu est sur nous. Amen. Alors hier, je vous parlais des différentes choses qui doivent cesser maintenant. Je vous ai dit qu'il y a différentes formes de manifestations d'attaque de l'ennemi, que je vais appeler donc les possessions, les obsessions, l'oppression. Je veux déclarer maintenant que toute oppression, il y a des gens qui sont opprimés, que toute oppression cesse sur ta vie dans le nom de Jésus. Alors l'oppression, je te disais que c'était l'oppression, c'est le fait d'accabler une personne, de l'empêcher de s'exprimer, de respirer, la harceler. Ça c'est l'oppression.
Quand l'ennemi oppresse une personne, il t'accable. Mais cela cesse maintenant dans le nom de Jésus. L'oppression produit des esclaves, de l'esclavage. Dans le livre de Exode chapitre 3 verset 9, il est dit: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Quand quelqu'un est oppressé, il crie à Dieu. Dieu a entendu le cri de ta prière. Et ton oppression, Dieu a entendu que tu es oppressé. Je déclare dans le nom de Jésus que toute oppression cesse. Que l'oppression cesse. Esprit opprimant, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Cette femme, cet homme que tu oppresses, tu attaques ses pensées. L'oppression crée l'esclavage. Je brise les chaînes qui te maintiennent dans la pauvreté, dans l'abaissement, dans la douleur. L'oppression démoniaque cesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 42, verset 10 nous dit que l'oppression aussi sème l'angoisse. Le psaume 42, verset 10, il dit: je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Psaume 42, verset 10. D'accord, vous pouvez me suivre. Psaume 42, verset 10. Le premier, voilà, merci. Il a dit: je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Donc l'oppression produit de la tristesse. Quand tu vois quelqu'un qui est tout le temps triste parce qu'il y a des pensées tristes qui l'assaillent, je lève ma main droite dans le nom de Jésus. Seigneur, sous la puissance de ta parole, que cette oppression qui attriste ton fils, ta fille, qui accable ses pensées, se cesse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu entends des pensées de victoire. Tu es saturé des pensées de grâce, des pensées de victoire. Les pensées qui t'assaillaient dans ton sommeil cessent maintenant. Les pensées de mort, les pensées d'angoisse, les pensées de tristesse cessent maintenant dans le nom de Jésus. Ton esprit est sanctifié. Que votre être entier soit conservé pur, l'esprit, l'âme et le corps. Là, je suis en train de parler et de confesser la purification de ton esprit. Au nom de Jésus, toute obsession, toute oppression de tes pensées cesse dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 55, verset 1 parle encore de la tristesse et de l'angoisse. Au chef des chants avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Donc le psalmiste ici décrit, il dit, gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poussent avec colère. Dieu dit quoi dans ce passage? Il dit, il va te délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que ces voix, ces pensées qui t'assaillent, ces pensées négatives, ces pensées tristes, ces pensées de découragement, ces pensées de jeter l'éponge, cessent maintenant dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun découragement en toi. Tu entends la voix de victoire. Tu entends les paroles de foi. Quand tu médites en toi, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Et tu entends les promesses qu'il a pour toi. Ton Dieu te dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non des projets de malheur. Ce sont ces choses-là que tu entends. Lorsque tu es couché, tu rêves à la victoire. Amen. Lorsque tu dors, tu rêves à la victoire. Tu vois la victoire dans ta maison. Tu vois la victoire dans ton foyer. Tu vois la victoire dans ta vie. Tu vois que toi et ta maison vous serviront le Seigneur. Tu n'es plus oppressé, opprimé par le découragement, l'abattement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'oppression cesse maintenant dans vos pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'oppression est là, le psaume 119, verset 134 dit que l'oppression fait qu'il est difficile de marcher selon ce que Dieu ordonne. Psaume 119, verset 134. Le psalmiste dit, délivre-moi de l'oppression des hommes. Non, 119, 134, ou bien 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Donc quand il y a l'oppression, parce que tes pensées sont assaillies, donc Dieu te dit fais comme ça, mais c'est difficile parce que les pensées t'assaillent. Et le psalmiste David dit, délivre-moi de l'oppression afin que moi je marche dans ta parole. Délivre-moi, c'est-à-dire les pensées qui viennent constamment dans mon esprit me fatiguent.
Délivre-moi de ces pensées. Délivre-moi afin que je marche selon ta parole. Oh Dieu des cieux, mets la main sur la tête. Dieu m'a dit de toucher ça parce que la chose qu'il est en train d'arracher de toi, c'est l'oppression. Tu vois cette voix qui vient, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu commences une activité. Ah, ça sera comme les autres fois. Oh, ça va encore échouer. Ça va encore échouer. On a prié. Mais certains vont sortir. Puis les voix là vont revenir. Non. Tu as déjà fait ce genre de prière. Hein? Mais est-ce que ça c'est de l'oppression? Tu es en train d'être oppressé. C'est ton ennemi. Il ne te possède pas. Tu n'es pas possédé, mais il est à l'extérieur. Et puis il t'envoie le son de sa voix. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus. Et toute oppression satanique, toute oppression démoniaque cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui te remplit, remplit ton cœur des Écritures, remplit ton cœur de la parole, remplit ton cœur de la parole, remplit ton cœur des Écritures, remplit ton cœur des Écritures, remplit ton cœur de la parole, remplit ton cœur de la parole, remplit ton cœur de la parole. Le Saint-Esprit remplit ton cœur de la parole. Le Saint-Esprit remplit ton cœur de la victoire. Dans le nom de Jésus, les pensées de Dieu coulent en toi. Les pensées de Dieu s'entendent dans ton esprit. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute oppression cesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Dieu a dit, voici le cri d'Israël est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et Dieu a dit à Moïse, je t'envoie pour que tu arrêtes cela. Dans le nom de Jésus, je viens par l'Esprit du Seigneur. Toi qui me suis en ligne, toi qui es dans cette salle, dans le nom de Jésus, toutes ces oppressions sataniques cessent maintenant. Amen. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Et les pensées de victoire, les rêves, le rêve de Dieu, domine ta vie. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu te révèle ce qu'il va faire de ta vie, de ton foyer, de tes enfants, de tes entreprises. C'est ce que tu entends. Tu entends la victoire, tu entends le triomphe, tu entends le règne, tu entends ce que Dieu dit que tu es. Tu sais ce que Dieu dit que tu es. Tu marches dans la victoire, tu triomphes en Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un mot, amen. Alors tu vas déclarer avec moi le psaume 42, c'est surtout le verset 12. Et tu vas parler à ton âme. Après, je vais dire, on donne l'ordre aux âmes. Amen. Le psaume 42, verset 12. On peut l'afficher rapidement. Psaume 42, verset 12. Parle à ton âme, tu vas parler à ton âme, dis à ton âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, et mon Dieu. Donc parle à ton âme, Pourquoi tu te décourages, mon âme? Espère en Dieu, parle-lui, c'est un ordre que tu lui donnes. N'oublie pas que tu as reçu le pouvoir. Mon âme, tu es forte. Mon âme, tu n'es plus abattu. Parle à ton âme, Le découragement ne t'atteindra pas. Cette saison, tu es victorieux jusqu'à la fin. Dis à ton âme, mon âme, tu t'en vas pourquoi? Allez. Prends courage, relève-toi, fortifie-toi, prends courage. Rebratata, remabraya, sokata la bré. Parle à ton âme, parle à ton âme. Rebrababababase. Là, comme garder le verset en parallèle. Brinda sorobara la gloria da brada sorobara la ca. Rababrada sorobara la gloria da brada sorobara la ca. Rababrada sorobara la gloria da brada sor. Braides gloria da brada sorobara la clar. Braides gloria da brada sorobara la claria da brada sorobara la ke. Braides sorobara la claria da brada sorobara la ko. Brida brada sorobara la gloria da brada sorobara la bra. Braides gloria da brada sorobara la claria da brada sorobara la ca. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Rebraya sarra braya braya gloria da brada. Rebra da sorobara la gloria.
brada soro bara la gloria na brada soro bara la cla rai de gloria na brada soro bara la cla re da brada soro bara la gloria na brada soro bara la cla rai de soro bara la gloria na brada soro bara la gloria na brada soro bara la gloria na brada rai de gloria na brada soro bara la gloria na brada soro bara la cla Ere bara la soro bara la claria la braga soro bara la flor Ere braga la braga soro bara la claria bara bara la gloria la braga soro bara la gloria la ba Ere bara la gloria la braga soro bara la claria Brodo brodo gloria la braga claria la braga la Raire gloria la braga soro bara la claria la braga soro Ere braga la braga gloria la rai Ebraia catara brede soro braia brada Cerebraia catara brada soro bara la gloria na bru Cerebraia catara brada gloria na brada soro bara la bra Raire gloria na brada soro bara la claria na bra Au nom de Jésus Christ Alléluia Vous allez tester dans le nom de Jésus Que toute obsession s'arrête maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus. L'obsession t'empêche de voir Dieu comme tu dois le voir. Maintenant, tu vois Dieu comme tu dois le voir. Ta vision du ciel est claire. Ta vision de ta destinée est claire. Dans le nom de Jésus. 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 Que ton cœur soit animé par la volonté de Dieu. Que ton cœur soit animé par la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, toute obsession cesse maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je finis, je déclare ceci. J'arrête toute forme de possession. Parce que tu marches avec le plus fort. Tu es venu à Jésus qui est plus fort. Tu vas dire au Seigneur, tu vas confesser. Père, Jésus, tu es plus grand que ces forteresses. Qui me maintiennent. Tu me maintiens. Et tu vas citer dans quoi ça te maintient. Si c'est le retard. En fait, tout ce sur quoi tu sens un blocage. C'est-à-dire que une limite que tu n'arrives pas à passer. Est-ce qu'il y a une limite que tu n'arrives pas à passer? C'est-à-dire que quelque chose, tu sens qu'il y a meilleur devant, mais tu es comme coincé quelque part. Il se peut qu'il y ait un système de pensée qui favorise cela. Et la puissance de Dieu qui opère dans cette salle en ce moment, qui opère en toi, va la renverser. Amen. La forteresse va s'écouler comme ça. Boum, elle va exploser. Amen. Rebrakata rababrada sorubara la clarianda brada sorubara la ka. Rebrakata la maba. Yeah. Tu dis, je me confie, prie, je me confie dans le plus fort. Papa, tu es le plus fort. Papa, tu es plus grand. C'est en toi, je mets ma confiance. C'est en toi, je mets mon appui. Papa, je n'arrive pas à passer cette limite. J'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'essaie d'aller au-delà, mes forces sont faibles. Quand j'essaie de faire mieux, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose que je veux atteindre. Je sens que tu m'as fait telle promesse. Mais jusqu'à présent, je n'y arrive pas. Je me confie en toi, toi qui es le plus fort. Si cela est Dieu, un hôtel ou une forteresse, peu importe l'origine, moi je m'appuie sur toi. Peu importe la source, peu importe le début, oh mon Dieu, moi je m'appuie sur toi. Je te fais confiance, Jésus, c'est toi qui es ma force, c'est toi qui es mon appui, c'est toi qui es mon appui. Ah Seigneur vrai, Sabraya Katela, Robra Katareta, Sabraya Katarabra Yossi. Chiri brakate, chorobraya rabarabara barabarabara bara la sunde, rabraya gloria da braya sokatala, chebraya katara babraya surubara la gloria da bros, chebraya katara babraya surubara la brende, lubrakaturubara da surubara la conta, lubrakatara babraya surubara la conta rabarieta, chibrakateria da naria da la balonde, tutara braya katara babraya surubara la conta. Chebraya kunda la babraya sarabara la kenda. Rekata reya da brada surubara la kunda. Chebraya rinda brada surubara la brabara la sunda. Chirabraka surubraya surubara la brinda lindus. Chikata rinda brada surubara la runda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chebraya rumbara katara babrada suruya da brada. Alléluia. Maintenant, les forteresses vont tomber par ta profession et ta confession.
faut savoir que les forteresses sont des raisonnements. C'est-à-dire, après la prière, ce qui va se passer, c'est que ton système de pensée va changer. Tu vas réfléchir autrement. Tu vas réfléchir différemment. C'est ça. Donc, quand on dit la forteresse, ce n'est pas simplement un démon qui s'en va. C'est un homme fort et bien armé. Les oppressions, là, on chasse facilement les démons. Mais les possessions, il s'est barricadé derrière une logique qui n'est pas la bonne. Dans le nom de Jésus. 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 Jésus a dit, devant la muraille de Jéricho, il a dit, vous allez pousser des cris, la muraille va tomber. Vous allez pousser des cris, elle va tomber. Mais le cri, ce n'est pas le volume de la voix. C'est cette sainteté, cette sainte colère qui monte en toi. Et puis tu regardes, tu dis, la forteresse, c'est quoi? Tu dis, moi, je sors de la bouche, je prospère. C'est-à-dire que tu cries en toi, je prospère. Tu ne peux pas posséder mon mariage. Jésus avec moi. Le Saint-Esprit. La Bible dit, s'il se vient plus fort que lui. Qui est ce démon devant l'Esprit Saint qui t'anime? Qui est cet esprit devant le Dieu vivant que tu adores, le Dieu que tu sers? S'il survient un plus fort que lui, oui, le plus fort est survenu le jour où tu as dit, Jésus, je te donne ma vie. La Bible dit, s'il survient un plus fort, ça va dépendre s'il survient plus fort, mais le plus fort est survenu. Le plus fort est survenu. Le jour où tu as dit, je te donne ma vie, Jésus, le plus fort est venu dans ta vie. Le jour où tu as dit, Jésus, j'ai choisi de marcher avec toi, le plus fort est là. Il est le Dieu qui a créé tous les esprits. Aucun démon, aucune puissance n'est au-dessus de notre Dieu. Donc commence, avant de pousser ton cri de victoire, commence par élever Dieu. Dis à Dieu qu'il est le plus grand, il est le plus fort, il est le plus beau, il est le merveilleux. Il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu règnes. Tu règnes, papa, tu règnes, papa. Fais survenir le plus fort. Que le plus fort rentre dans la guerre. Que le plus fort rentre dans la bataille. Jésus dit, mais si un plus fort que lui survient, oh, je vois le plus fort qui est en train de survenir. Je vois le plus fort qui est en train d'arriver dans la guerre. Ton Dieu, ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant rentre dans la bataille. J'ai Katari Bakota Rababra. Si le Seigneur survient dans mon affaire, survient dans cette histoire. Surviens, papa. Surviens, papa. Cherebra Katara Babrada Sorobara Lako. Reda Brada Sorobara la Katara Babrada Sa. Cherebra Katara Babrada Sorobara la Gloria Dabra. Shirimaka Toro Baraya Sarabara la Sorobara Nabe. Cherebraya Katara Babrada Sorobara la Ke. Rubraya Katara Babrada Sorobara la Ka. Ah, si le plus fort survient dans ton combat, le Dieu le plus grand survient dans la bataille. Celui qui est au-dessus de tout rentre. Au-dessus de tout. C'est toi qui es plus grand. Tu es plus grand que mes limites. Tu es plus grand que mes craintes. Je rebraille à Katare Braille. Rebraille à Katare Babé. Je braille à Katare Babé. Écoute, pendant les 6 jours, avant de terrasser la muraille de Jéricho, Dieu a dit pendant 6 jours, faites le tour. Et ce qu'ils entendaient, c'était les trompettes qui louaient Dieu. Chaque tour, ils étaient là et ils entendaient pam pam pam. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Les trompettes annoncent. Pourquoi on sonne les trompettes dans la Bible? On sonne les trompettes pour accueillir un roi. Luc 11, 22 dit, s'il survient, que Dieu, c'est-à-dire que quand il survient, donc ils ont sonné les trompettes pour que Dieu survienne. Pendant 6 jours, ils étaient en train de l'appeler. Le plus fort vient, le plus fort vient, le plus grand vient, le plus grand vient. Faut survenir dans ma bataille, faut survenir, papa. Surviens maintenant. Chebakata Rababrada Sarabaralake. Cherebrada Soriana Brada Serebaralaka. Chorobarana Sorobaralake. Shikata Yeremakataraba. Surubakata. C'est toi qui surviens dans mes combats, tu surviens dans mes batailles. S'il survient, s'il survient, s'il survient. Mais lorsqu'il, mon papa est là, mon Dieu est ici. Rekatari ma sobra yakata. Reyakatera breya sota. Reyakatara mesma idoufi. Rubra yakatera mandesa.
survient. Celui qui est au-dessus de tout survient. Arabrakateri machobraya sorobarala. Chebraya katanababrada sorobaralaka. Élève le roi au-dessus de tout. Il est plus grand que cette muraille. Il est plus grand que cette forteresse. Mon papa est plus grand. Mon Dieu est le plus grand. Il est plus grand que ma misère. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que cette mentalité rétrograde. Il est le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de cette situation. Rebaka, 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 Rebara, Shabraya, 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 au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Rebara Sorobarala, Chiribraya Sorobarala, Robraya Katarababraya Sorobarala, le plus grand survient. Le plus fort survient. Tu es le plus grand survient. Le plus fort est survenu. Tu es le plus fort est survenu. Au-dessus de tout. Et Mayakuta la vie. Le plus fort est survenu. Au-dessus de tout. Le plus grand est survenu. Le plus grand est survenu. Le plus fort est survenu. Tu es plus grand que cette forteresse. Tu es plus grand que ce raisonnement. Tu es plus grand que ce démon. Tu es plus grand que cet esprit. Tu es plus grand que la pauvreté. Tu es plus grand que la misère. Tu frappes l'Afrique qui frappe le monde. Tu es plus grand que cette limitation. Tu es plus grand que ce pays. Tu es plus grand que ce chef. Tu es plus grand que le chef du village. Tu es plus grand que les malédictions qui frappent au village. Tu es plus grand que tout cela. Tu es plus grand que ma région. Tu es plus grand que cela. Tu es plus grand que cela. Raba brada suru bara la claria da brada suru bara la cla. Raba brada suru bara la claria da brada suru bara la cla. Brai de suru bara la claria da brada suru bara la cla. Raba brada suru bara la cla. Cheba kata ya rema bode. Alléluia, alléluia. Pendant que tu élèves, papa. Israël devait faire 6 jours d'élévation. 6 jours. Pendant 6 jours, ils faisaient le tour. Et ils entendaient les trompettes pour faire survenir le plus fort. Devant eux, c'était une grande, une muraille haute. De plusieurs. C'est-à-dire que la muraille était haute. La muraille était large. Elle était tellement large que des gens habitaient. C'est-à-dire que ce n'est pas un mur. C'est ce qu'on appelle une forteresse. L'épaisseur du mur, c'était une grande route, c'est-à-dire les gens même habitaient là-dessus. Ça, c'est l'épaisseur. C'est-à-dire que Jésus dit, ni vos armes, ni votre intelligence ne peuvent pas briser une telle chose. Quand vous voyez la misère, la pauvreté, certaines maladies, certains blocages, frère, toutes nos armes semblent faibles parce que l'ennemi est armé. Mais la Bible dit, quand survient, est plus fort. Donc, pendant 6 jours, Dieu dit, sonnez la trompette, soyez dans le silence et admirez ma grandeur. Donc quand il voit le mur, Dieu dit, je suis plus grand que ça. Je suis plus grand que ça. Je dis, mais dans mon village, tout le monde est comme ça. Je suis plus grand que ton village. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais personne qui est arrivé à réaliser ça. Je suis plus grand que la Côte d'Ivoire. Nous, dans notre famille, tout le monde, personne n'arrive à passer cette limite. Je suis plus grand que le démon. Votre papa, votre aïeul a dédié votre famille à cet esprit. Mais moi, ton Dieu, je suis plus grand. Et c'est ça que tu, pendant 6 jours, c'est ce qu'il devait entendre. Il dit, oui, c'est une forteresse, mais je suis encore plus grand. Je suis encore plus fort. Tu dis, mais papa, dans ma famille, là, personne n'arrive à passer cette limite. Il dit, tu comprends? C'est ce qu'on a dit, il possède ton canard. Moi, ton Dieu, je suis au-dessus. Je suis plus grand. Je suis plus grand. Je suis plus grand. Je suis plus grand. Et pendant qu'il faisait ça, Dieu demandait à ceux qui sont dans le silence parce qu'il fallait accumuler en eux une sainte colère. La colère qui montait dans le cœur, c'était ça suffit. Trop, c'est trop. Quel que soit le géant, il y a des gens parmi nous,
c'est ton aïeul, ton grand-père, votre papa, pour pouvoir maintenir la richesse de la famille. Ils ont livré tous les foyers de leurs descendants. C'est-à-dire que, et un démon qui dit, moi, mes filles, elles, leur foyer ne doit pas être en paix. Et je vends, la maman a vendu pour que le monsieur soit chef. Et dans leur famille, tout le monde, il y a toujours des directeurs, il y a toujours des gens riches. Mais pour leur richesse, a été le prix du foyer. Il y a certains qui ont vendu, je connais des familles qui ont vendu, malgré qu'elles soient chrétiennes. Chaque premier-né souffre de dépression. À un moment donné, à partir de 15-16 ans, quand il rentre à l'université, à la paix, pouf, il devient bizarre. Forteresse. Mais je ne sais pas quel sacrifice ils ont fait, mais le Dieu que nous avons pris, il est plus grand. Ils sont partis depuis des générations. Chaque année, ils alimentent un hôtel. Le Dieu que je prie, le Dieu que tu invoques, la Bible dit, c'est une affaire de plus fort. Moi, je suis faible, mais mon Dieu est plus grand. S'il survient un plus fort, il faut que le plus fort survienne. Que le plus fort survienne. Il est plus fort que l'alliance que tes parents ont tissée. Le plus fort arrive. Il est plus fort que l'alliance que ton aïeul, depuis des générations, les sacrifices qu'ils ont faits. Il est plus fort. Il y a, au-dessus de lui, il n'y a pas de plus grand. Au-dessus de lui, il n'y a pas de plus fort. Et tu dois penser à ça et laisser ton être intérieur être rempli d'une sainte colère pour dire, trop, c'est trop. Et pendant 6 jours, Israël a été animé de cette sainte colère. Le 7e jour, Dieu dit, parlez. Elle dit là, ils ont poussé un cri. Le cri, ce n'est pas le volume. C'est un cri qui dit, ça suffit. C'est bon maintenant, j'avance. 2022, 2023, c'est quelqu'un qui avance là. Tu passes à autre chose. Pourquoi tu vas passer à autre chose? Parce que ton Dieu est plus grand que ce qui t'a combattu. Je ne sais pas les degrés de l'ampleur de cette alliance, mais je m'en fous. Mon papa, celui que je prie, il est au-dessus. Est-ce que tu sens qu'il est au-dessus? Est-ce que tu sens qu'il est au-dessus? Est-ce que tu sens qu'il est au-dessus? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Alléluia. Tu vas penser à cette forteresse qui a maintenu ta vie, ta famille, dans le célibat, dans la maladie, dans la pauvreté. De génération en génération, il y a le diabète chez vous, il y a l'hypertension chez vous. De génération en génération, aucun foyer n'est stable, aucune famille n'est stable. Ça s'arrête à partir de toi. Tu es la fin de cela parce que ton Dieu est au-dessus de ce problème. Il est au-dessus de tout. Rebrakata rababrada sorobaralaka. Sans la sainte colère monter en toi. Sans la sainte colère monter en toi. Sans la sainte colère monter en toi. Trop c'est trop, ça suffit. Les choses doivent changer. Ça suffit. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, le temps est arrivé pour cette forteresse démoniaque qui possède certaines choses dans ma vie, qui possède mon travail, qui possède ma prospérité, qui possède mon élévation. Le temps est arrivé de s'arrêter parce que le grand Dieu, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Maintenant, Lebraya, Rokata, Rebraya, Rabrasa, Rabraka, Chambraya, sans la sainte colère, regarde la muraille, ton Dieu avec toi, elle va s'écrouler. Sois prêt, ta confession de la victoire. La violence, la puissance du Saint-Esprit en train de t'animer, l'onction de Dieu qui est sur tes lèvres, la puissance qui est en train de monter, la grâce qui est en train de monter, l'onction qui est en train de monter, la puissance qui est en train de monter. Cherebraya, Boro, Barada, Sora, Braka, Cherebraka, Tara, Barada, Soro, Baralaka, Rika, Tara, Barada, Soro, Baralaka, Lembaya, Baba, Lembaya, Baba, Lembaya, Baba, Robraka, Tara, Barada, Shiri, Barada, Sukaya, Lubraya, Au-dessus de tout.
maintenant. Que la tension du Saint-Esprit même en toi monte. Qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte. Qu'elle monte, qu'elle monte. Sens en toi la sainte colère. La sainte colère. La sainte colère contre cette limitation. Dieu t'a fait des promesses. Mais ce mur-là se dresse devant toi. Dieu a dit qu'il allait faire des choses dans ta vie. Mais il y a un mur qui se dresse devant toi. Il a dit qu'il t'amenait quelque part. Il y a un mur qui se dresse. Maintenant, tu as adoré le Dieu au-dessus. Regarde la muraille. Fais un moment de silence. Fais un moment de silence. Regarde. Tu vois Dieu sur ta tête. Dieu qui est au-dessus de cette forteresse. Chacun d'entre vous. Dieu avait dit de faire le tour de la muraille. Parce que quand il faisait le tour, il devait vérifier l'ampleur du problème et les dégâts que ça constituait. Mais il devait faire dans le silence, en écoutant le son des trompettes qui parlaient de la grandeur de Dieu. Que Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Je vais compter jusqu'à 7. Et là, en ce moment-là, toute cette sainte colère qui est en toi, tu vas déclarer ta victoire. Il faut que tu passes. Tu sors d'ici. Ce que Dieu t'a dit va rendre à sa réalisation, à sa forme pratique. Après toi, libérer un cri de victoire. Ce n'est pas un cri de défaite, c'est un cri de victoire. Après toi, je compte jusqu'à 7. Et tu vas libérer un cri de victoire sur tout ce qui t'a retenu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que toutes ces limitations que tu n'arrivais pas à passer, Dieu dans sa grâce, le Dieu au-dessus de toutes choses. Brenda Sorobara Laka. La batterie, tu vas compter avec moi. La Bible dit, ils ont fait 7 fois le tour. C'est pourquoi je compte jusqu'à 7. Brenda Sorobara Laka. Et quand j'arrive à 7, chaque chiffre que je compte, laisse la parole de Dieu ruminer dans ton cœur. C'est pourquoi quand j'ai compté, il faut être dans le silence. Faut pas. Faut garder ta voix, garde ta voix, garde ta voix, garde ta voix, garde. Garde ta voix. Tu sens qu'il y a un puissant parlant en langue qui arrive là. Garde-le. Laisse-le. Laisse-le, comment dire là? Comme c'est fermenté. Comme du vin. Laisse-le bouillir en toi. C'est-à-dire que tu dois sentir que c'est terminé. Tu dois sentir que cette limitation-là va s'arrêter. Tu dois sentir, quand je compte, tu dois dire, ça suffit quoi. Je marche avec un grand Dieu. Dieu est grand. Quelle est cette affaire? 1. Shabrakata ravavrada surubaraka. Shemakata riakata. Shabrakata ravavrada sura. Shevrakata ravavrada. Rekata ravavrada sura. Ravavrada. Rumine dans ton esprit. Rumine. Vois la victoire. Vois que tu passes cette limite. Vois que tu traverses cette limite. Faut pas trop parler. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Sois silencieux. Laisse ce que tu pries en langue là. Mets ça dans ton cœur. Mets ça dans ton cœur. La prière qui vient là-dessus, tes lèvres là. Contiens-la. Mets-la dans ton cœur. Et regarde la fin de cette maladie, la fin de ce blocage. Laisse en toi. Au coup 7, tu vas parler. Brenda Sokatara Babrada Sorobarala Karaba. 3. Brenda Sorobarala Katara Babrada Sokata. Rakatalia Tabrada So. Chéri Babrada Gloria Tabrada Sorobarala Kata. 4. Babakatara Babrada Sorobarala Kata. Riba Katara Babrada Sorobarala Kata. Babrada Sorobarala Kata. Cinq, c'est le chiffre de la grâce. Pendant que tu parles, la grâce en train de descendre, la grâce, la faveur, la miséricorde, la grâce. Faut pas, calme-toi. Mets ça dans ton ventre. Ce que tu veux crier là, laisse ça en toi. Faut pas gaspiller ton énergie, reçois seulement, reçois. Quand on dit,
quand on arrivait à 3, là, on était dans la trinité. Quand on arrivait à 4, on arrivait dans la stabilité. Quand on arrivait à 5, on arrivait dans la grâce. La grâce en train de descendre. Israël a fait 5 fois le tour. Quand donc ce jour-là, ils étaient en train d'emmagasiner la grâce. Tu emmagasines la grâce. Tu emmagasines la faveur. C'est le chiffre de la grâce. C'est-à-dire que tu seras favorisé. Ce 5 là, tu seras favorisé. Tu seras distingué. Pas parce que tu es puissante, pas parce que tu es grande, mais parce qu'il te fait miséricorde. Mets la grâce dans ton ventre. Laisse la grâce tourner en toi. On avait cité 4. Laisse la stabilité tourner en toi. Laisse l'évangile, les 4 évangiles tourner en toi. Laisse la promesse tourner en toi. Tout ça, c'est 4. Quand on dit 3, c'est la divinité, c'est la trinité, c'est le Dieu tout-puissant. Laisse ça tourner en toi. Quand on avait dit 1, c'était le chiffre du commencement. Laisse ça tourner en toi. Il est unique, il est le seul, il est au-dessus. Rebrakata rababrada sorubara la kata rababrada sloriandabra sharaba. Si ça. Chiffre, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Ça parle maintenant de tout ce que les humains ont fait, toutes les limitations humaines, tous les blocages qu'ils ont fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qui est. Laisse ça dans ton ventre. Laisse la grâce parler en toi. Laisse la stabilité parler en toi. Laisse Dieu te placer au-dessus de tout. Laisse Dieu te mettre au-dessus de tout. Quand je vais citer le dernier chiffre, n'attends pas que les 7 batteries, les 7 sons aient sonné. Ça va sonner en même temps que tu libères cette puissance par un cri de victoire sur ce que tu vois. Cette muraille qui va tomber. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est parfaite, victoire totale. C'est terminé. Chambre Brian Bro de Surubara, la Claria d'Abra da Surubara. Rebraya Katerere. La grâce parle pour toi, la faveur parle pour toi, l'amour parle pour toi, la victoire parle pour toi. Ton Dieu parle sur toi, sa vie parle pour toi, sa grâce parle pour toi. Sa faveur parle pour toi, sa main parle pour toi, la faveur parle pour toi, la grâce parle pour toi, la faveur parle pour toi, Chebra Katarabasu, Chebra Katarabu, Chekatara Brayabu, 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 la puissance parle de toi, l'onction parle de toi, la faveur parle de toi, la grâce parle de toi. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus pour la victoire. Amen. Amen, amen, amen. Va, tu as la victoire de Jésus. Amen, amen. Tu marches dans la victoire. Amen. Tu marches dans la victoire. Amen. Alléluia. Rumbra sakatara babradaslo. Nous sommes une génération. Appelé pour montrer son excellence. Je déclame la vie que Dieu m'a donné sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je déclare, je réclame la vie que Dieu m'a donné sur terre, car je sais qui je suis. Je sais qui Dieu dit je suis, ce qu'il dit que j'ai,
où il dit je suis. Je sais qui je suis, je sais ce que dit je suis. Ce qu'il dit que j'ai, où il dit que je suis. Je sais qui je marche, je marche en puissance. J'apporte le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche en puissance. Je marche en miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Regarde-moi. Regarde-moi, je suis une merveille. Mais pour ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais. Regarde-moi. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Regarde-moi bien. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Regarde-moi, je suis une merveille. Peu importe ce que tu vois, sa gloire est sur moi. Car je sais qui je suis. Alléluia. Amen.